Salut mes éveillés, bienvenue sur les sentiers du réel, je m'appelle Alexis. Aujourd'hui, eh bien, si je vous proposais de me suivre dans une secte, alors peut-être que vous me répondriez, mais Alexis, on te suit déjà sur les sentiers du réel. Oui, mais non, ici ce serait pas du tout la même secte, ce serait une secte où l'amour, la liberté de penser et les rapprochements physiques seraient interdits. Alors là, peut-être que vous déchanteriez aussitôt, mais si je vous disais que vous le vivez déjà peut-être au jour le jour, et chaque jour plus encore, en tout cas c'est aujourd'hui ce que Myriam Kaiser, mon invitée, venue tout droit du Québec, du grand froid du Québec, ouh j'ai déjà froid, vient justement nous en parler sur les sentiers du réel, et je te remercie. Bonjour Myriam, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien? Eh bien, écoute, bienvenue sur les sentiers du réel et bienvenue et merci encore à toi de passer du temps avec nous pour eh bien, parler de ce triste vécu que tu as eu. À 2 ans, on te déchire, on t'enlève justement d'un pays, le pays, tu vas nous le dire à tout de suite, pour vivre donc 20 années consécutives emprisonné, 20 ans dans une secte. Alors justement, tu vas aujourd'hui donc nous parler un petit peu de comment tu as vécu cela, de quelles sont les entre guillemets techniques pour faire une secte. Peut-être que ça intéressera certains. Non, je rigole, hein. Et donc voilà, Myriam, je te laisse la parole. J'ai déjà trop parlé. Donc, effectivement, je suis native de Belgique, où tu es présentement. Donc, on est des compatriotes au départ. Et mais mes parents, ils étaient à la recherche, comme beaucoup de gens sont à la recherche présentement. C'est toujours d'actualité. Et à l'époque, ils n'avaient pas l'accès à tout ce à quoi on a accès présentement aujourd'hui. On est capable de discriminer si on est bien branché au bon endroit. Ce qui veut dire au centre, hein, autant au niveau du troisième œil ou du bon gros jugement critique, n'est-ce pas, ou au niveau du cœur. Mais mes parents venaient de leur époque, c'est des enfants de la guerre, de la première guerre. Ils ont fait ce qu'ils connaissaient, donc ils ont suivi un chemin de judéo-chrétien. Et tu sais, le mot secte est devenu très connoté depuis les grands drames de Johnstone, lors du Temple solaire, tout ça. Mais avant, si on recule dans cette époque-là, on va remettre les choses en contexte. C'était quand même très, ce qu'on va dire en bon français, in. C'était pas quelque chose de bizarre d'aller dans une secte. D'ailleurs, le mot secte veut dire scission. Donc, il y a l'ordre établi. Donc, il y avait la grosse église de Rome. Et avec le Concile Vatican II et Paul VI, dans les années 60, il y a eu une grosse scission. Et beaucoup de gens très sincères qui avaient connu l'ancienne méthode, on va dire comme ça, ils ont cherché où il y avait une sauvegarde de ce qu'ils avaient connu. Donc, je ne sais pas si ça rappelle à nos auditeurs quelque chose. On veut se tenir à ce qu'on a connu. Donc, on se sépare de l'ordre établi. Donc, ici, on a déjà des parallèles. Exactement. Alors effectivement, tu as écrit donc un bouquin qui s'intitule Otage du silence, entre autres. Tu as écrit 2 autres livres. On en reviendra bien sûr à la fin de l'émission. Et donc Otage du silence, dans lequel tu décris effectivement ce vécu pendant 20 ans de captivité dans une secte. Et tu t'en es d'ailleurs sorti toi-même. Enfin bref, c'est un long parcours. C'est un long parcours, puis de discriminer le vrai du faux, de discriminer l'intention des actions, c'est pas simple, c'est pas simple. Aujourd'hui, je regarde la secte avec des yeux toujours nouveaux, hein, parce que moi-même, je marche une route et je me rends compte que on demeure porté à vivre des scissions, on demeure porté à se polariser, on demeure porté à ça, et tous les êtres humains ont cette tendance-là. Et tranquillement, je me ramène de plus en plus à l'espace du milieu. Mais effectivement, j'ai parlé de la secte, j'ai hésité très longtemps parce que pointer quelque chose du doigt, faut être certain, hein? Et cette certitude-là finit par bouger aussi. Donc, mais en même temps, j'ai dénoncé l'abus fait aux enfants, surtout. J'ai dénoncé de parler au nom de Dieu alors que tu es qui, toi, pour faire ça? Et je revois beaucoup, beaucoup dans mon quotidien, dans la société, je revois des signes
qui me mettent un peu la puce à l'oreille. Je revois des choses qui m'amènent dans beaucoup de réflexions. Parce que, oui, présentement, on vit un peu la même chose, hein, le confinement, la propagande, du lavage de cerveau qui est très, très proche des sectes. OK? Donc, il faut observer à quoi on est soumis. Il faut explorer aussi comment notre cerveau est porté à catégoriser, à couper, à se rallier, à entrer dans des certitudes rigides, ainsi de suite. Donc, je ne sais pas si toi, ce que tu t'aimerais, c'est que je passe en revue les différentes façons, que je ne sais pas où est-ce que. Oui, y a pas de souci, Myriam, bien sûr, tu fais comme tu veux sur les sentiers du réel, tu es chez toi, mais donc effectivement, il y a plusieurs techniques dans une secte pour maintenir effectivement cette chape de plomb sur chaque être humain, venant finalement faire une expérience, hein, comme nous sommes venus faire une expérience sur cette terre, nous faisons donc une expérience dans une secte, parce que peut-être qu'on ne trouve pas satisfaction dans ce système dans lequel on est, et c'est à ça que ça sert aussi à la base. On est bien d'accord. Oui, effectivement, je suis sortie d'une secte très fermée, très coupée du monde, mais je ne peux pas dire que je n'ai pas le sentiment de plus en plus d'être entrée dans une autre. Okay? Parce qu'il y a des similarités et je ne peux pas avoir vécu ça pendant 20 ans et ne pas reconnaître des signes. Mais en même temps, il y a des mises en garde pour ceux qui sont contre ça. Donc, c'est vraiment. L'impression que j'ai un film où on croit qu'il y a les bons, c'est lui qui est le bon, c'est lui qui va venir faire, qui va venir tout sauver. Et après ça, on se rend compte que celui qu'on pensait qui était le bon, mais ça devient dans le film, hein, puis là, à un moment donné, on ne sait plus, puis après ça, c'est lui, puis non, c'est plus lui. Puis... Donc, il faut rester dans une espèce de voie du milieu sans se polariser. Mais si on regarde les éléments des sectes, la première chose, moi, que j'ai reconnue, c'est le bon père de famille. Donc, je ne sais pas pour vous en Belgique, c'est qui, je ne connais pas les noms. Mais ici, le premier ministre, moi, c'était quelqu'un en qui j'ai cru, que j'ai aimé. Et dans une secte, il y a le bon père de famille qui a une idée. Hein? Souvent, on va voir, il y a un problème social, donc on trouve une solution. On va présenter sa propre réalité sociale et souvent, d'un bord ou l'autre, il y a de la peur qui est installée, la peur de l'autre. Ça crée cette scission d'avec le avant et on va offrir une nouvelle vision du monde. Donc, déjà, on est en train de montrer comment le monde devrait être. Et souvent, ces bons pères de famille-là ont un charme qui est charismatique. C'est des gens très intelligents, ils sont crédibles. Je pourrais dire qu'ils ont remplacé les curés, hein, qui prêchent la bonne ou la mauvaise nouvelle du jour, en prenant toujours plus de mesures pour protéger les ouailles, hein? C'est comme un bon berger, finalement. Puis il demande de faire des efforts d'empathie, puis il faut protéger les autres, puis c'est guidé là, par... C'est toujours super beau au départ, hein? Ça a l'air même vertueux, si on veut. Donc, il est comme guidé par une science qui est invisible, un peu comme le prêtre qui est guidé par Dieu. Quand tu poses des questions, il fait juste être rassurant. Il répond pas vraiment aux questions, mais il est rassurant. Il va se dire prêt à tout, hein, puis il va féliciter les ouailes pour leurs efforts. Il est très gentil, très, très gentil, jusqu'à temps qu'on se rende compte que le loup est dans la bergerie. Voilà. Donc, ça, c'est la première phase que je reconnais. Et on va se rendre compte que ce n'est pas que le loup qui mange les moutons. C'est Ça peut-être le berger. peut être le berger. Ça Ça peut peut être être le le berger. berger. Ouais, et il y a plusieurs attaques des moutons noirs envers les moutons blancs et des moutons blancs vers les moutons. Donc, comment est-ce qu'on sort de la bergerie? Ça va être la question. Et la bergerie, c'est autant les moutons noirs que les moutons blancs. Et même moi, qui me suis polarisée clairement sur les réseaux et tout ça, je me rends compte que ce n'est pas la voie, tranquillement, que c'est vraiment celle du milieu et de complètement sortir de cette bergerie. Mais bon. Ça serait un autre sujet. Donc, il faut savoir, si on revient à la secte, qu'au départ, dans le partage de la solution aux problèmes mondiaux, ben, il est probablement sincère, ou s'il n'est pas, les gens qui adhèrent sont sincères. Et c'est là qu'il faut être vigilant, parce que l'idéal est réellement d'amener des solutions.
Donc, un chef qui a du succès, il va toujours faire miroiter une notion de terre promise, d'un avenir meilleur. Mais on va souvent entendre dans son discours que le monde ne sera plus comme avant. Le futur qu'il prétend proposer, il est toujours un peu fantôme. On n'est pas capable de le toucher, c'est intangible. Mais ça sert quand même d'incitatif qui est puissant pour maintenir le groupe dans ce service-là auquel ils sont engagés. Ça crée de l'espoir, ça crée de la motivation. Le comportement humain a besoin de cette espèce de carburant-là. Ça offre du sens, ça fait appel au sens du devoir, au sentiment d'avoir une mission à accomplir. Dans ce cas-ci, est-ce qu'on sauve ou pas notre espèce? Il y a une mission, hein? On est en mission. Donc, ça, c'est ce que moi, je perçois comme deuxième façon, le deuxième point, que je vois des similarités tant avec les gens qui se positionnent dans un côté que l'autre. Je le vois dans les deux côtés. Donc, ça fait allumer mes lumières jaune, orange et rouge. Parce que quand le chef il est entouré de ces gens sincères-là, tranquillement, il y a de plus en plus de gens. Donc, quand il y a de plus en plus de gens, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, faut structurer le groupe. Donc, parce que l'union fait la force. On les fidélise en fait, voilà. Hein? On les fidélise, on leur Oui, promet monts et merveilles, donc du coup. c'est ça. Oui, c'est ça. Il faut les fidéliser. Puis, c'est quand le groupe grossit qu'on veut faire ça. Puis, on veut mettre une synergie. On veut structurer ça pour qu'il y ait une solution qui se mette en place. Et c'est ici où est-ce que l'utopie va prendre racine. Parce que plus le groupe grossit, plus il faut le réglementer. Donc là, il y a des têtes fortes, puis des gens qui sont plus charismatiques, puis que, ils ont un discours, parce que c'est souvent au niveau de la parole. La parole, c'est le pouvoir. Les gens qui sont très articulés vont devenir les gens qui, à cause de leur jugement, de leur façon d'avoir une vision, de leur façon d'interpréter les choses, mais ils vont se démarquer. Donc, ça va monter dans le haut de la pyramide, puis ils viennent le haut de la hiérarchie. Et là, il y a ceux que j'appelle, c'est pas cute le mot que je vais utiliser, mais je ne sais pas comment en trouver un plus beau. Il y a les lèches-culs, OK? Je pense, il y en a qui vont dire les lèches-bottes. Les Donc, fraudes-culs, voilà. ces gens-là, ils sentent comment ils ont vite fait de connaître les fragilités et les forces des chefs. Donc, ils vont devenir, comment je dirais ça? Ils vont devenir très proches d'eux parce qu'ils savent que s'ils les défendent mer et monde, s'ils les défendent vraiment envers et contre tous, ils deviennent les généraux, ils deviennent ceux qui sont proches du chef. Okay? Et au travers de ça, l'utopie devient codifiée, on développe une sorte de législation pour mettre ça en place. Mais là, au travers de cette structure-là, puis pour éviter qu'il y ait des soulèvements de la base, mais là, dès qu'il y a de la critique, dès qu'il y a des gens qui ne voient plus les choses de la même façon, bien là, on rejette toute critique. Et c'est là souvent qu'on va commencer à séparer les gens. Parce qu'il y a des gens qui ont des têtes fortes dans la base, il y a des gens qui ont un esprit critique très, très affûté. Et eux, ils influencent les autres aussi. Et là, on veut garder le haut de la pyramide intact. Donc, ces gens-là vont être identifiés, les fauteurs de troubles, et on va les séparer. Ça, c'est très important. Et on voit ça présentement dans notre société. Séparer les familles, séparer les gens, les enfermer chez eux pour que, quand ils sont seuls dans leur salon, on est habitué au bruit, donc on va allumer la télé, et là, la programmation embarque. On va revenir sur la façon de laver le cerveau. Mais c'est aussi une façon de briser le jugement critique parce que l'être humain, on ne s'en rend pas compte, mais ce qu'on entend plusieurs fois, même si on a un bon jugement, il s'en colle. Déjà à Donc, partir de, déjà à partir de 3 fois, je pense, hein, si je ne m'abuse. et ce n'est pas une question de force morale ou d'être mouton ou d'être mou, comme ça qu'on fonctionne. Ça peut toucher tout le monde, absolument tout le C'est monde ça, ça et toutes les touche tout le classes, monde. absolument. Ouais. Et il y a des gens qui vont sembler être des opposants fermes et durs, mais ils sont aussi influencés et c'est ce qui motive
leur réaction de polarisation, mais sont aussi influencés. Donc, quand on est polarisé, on est aussi influencé. Et je dis ça, puis je sais que moi-même, je me suis polarisée. Donc, mais présentement, je suis très, très en train d'analyser tout ça. Et ça m'oblige à revenir dans la voie du milieu. C'est ça, d'avoir du discernement, en fait, voilà. Discernement, puis des fois, c'est dans l'espace où on ne sait plus rien et il faut rester dans le silence parce qu'il y a cet espace de vide dans l'entre-deux qui demande à être visité. Et c'est l'espace, je crois, présentement, où l'humanité est conviée parce que c'est l'espace qu'on a le moins exploré, même ceux qui se disent spirituels. C'est comme c'est beau méditer puis tout ça, mais si on n'a pas exploré cet espace de silence où est-ce que la switch se met à off et qu'on n'est pas, on est nulle part puis on est partout en même temps. En fait, Donc, c'est ça, voilà, on se reconnecte à autre chose. Oui. on se reconnecte à autre chose qui est préalable à tous ces espèces de mouvements planétaires, ces scènes de films finalement, parce qu'on est dans une belle grande scène qui est toute une illusion. Avec des rebondissements et des contradictions et alouettes. Donc, cette scène de film influence les spectateurs pour le moins. Et dans cette, si on revient à comment est-ce qu'on veut éviter les soulèvements dans la secte, mais on sépare les gens, on brise leur jugement critique. Les moindres plaintes contre le haut de la pyramide est assassinée dans l'œuf. Et on commence à réclamer des punitions pour ceux qui veulent mettre en place la délation, les sanctions. On va vraiment là, les terroriser avec ce qu'on va leur faire. Donc, c'est un peu, je vois ça dans le système de santé actuel. Hein. On crée l'omerta, donc tous les ordres professionnels obligent leurs adeptes, leurs sujets, ceux qui font partie du club select. On oblige à des choses, on oblige de taire des choses. Donc, il y a un refus de la critique des plaintes. Mais là, pour moi, c'est là où la scission de départ devient réellement une secte. Parce que ce mot-là est connoté et c'est dans ce refus de la critique et des idées extérieures. Comme tout le monde ne peuvent plus échanger leurs idées, ce qui arrive, puis qu'on a séparé les gens, c'est que si moi, chez moi, je suis en révolte, je ne contamine pas même mon frère ou ma soeur qui est parce qu'on n'est pas ensemble. Ce qui fait que tant qu'on est une famille, tant que le tissu social demeure, on s'inter-influence continuellement. Quand je vais acheter mon pain dans une petite boutique où c'est le boulanger qui me vend mon pain, je peux jaser avec lui, je peux échanger avec lui. Il peut me dire où est-ce qu'il se situe aujourd'hui. Puis moi, je peux lui répondre, oui, je pensais ça avant, mais là, je commence à voir ça autrement. Et là, on a une inter-influence. Mais si on va dans des grandes surfaces où on doit se tenir à 6 pieds de distance, je sais pas combien de mètres ça fait, 1 mètre ou deux, Ouais, 1,50 m, ouais. c'est ça. Mais ce que ça fait, c'est que j'ose plus me parler. Puis surtout que je suis muselée, personne ne me comprend. Donc, je ne peux plus échanger. Tout à l'heure, on va probablement nous demander de mettre des verres fumés pour qu'on croise plus les yeux des autres. Ah, c'est possible. Peut-être de se voiler, peut-être qu'avant on était en guerre contre ceux qui portaient la burqa, peut-être qu'on peut l'imposer à tout le monde parce que dans ma façon de m'habiller, je fais aussi un statement, je fais aussi une affirmation. Donc on veut, dans les sectes, souvent, pas toujours, mais souvent, les gens sont habillés tout pareil, peignés tout pareil, et on faisait ça dans les communautés religieuses autrefois. Et c'était d'uniformiser la pensée. C'est d'uniformiser tout, 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 tout ce qui a un message. Quand tu vois quelqu'un pour la première fois, sa peignure, son port de tête, ses épaules, comment qu'il est habillé, ça nous dit, on sait déjà à qui on a affaire. Donc ça, on va supprimer ça tranquillement. Donc c'est pour ça les masques, ce genre de choses-là. Donc là, la révolte va demeurer, mais d'un individu à fois. Donc, il n'y a plus de contamination. Et ça augmente la solitude. L'être humain, c'est un animal social. Et quand on coupe le social, il devient excessivement vulnérable. Même les têtes fortes. Même les têtes fortes. Parce que les têtes fortes s'appuient. Souvent, c'est des gens qui sont très forts en échange, les têtes fortes. Parce que leur opinion est bâtie sur quelque chose. Là, la façon
Puis là, je suis en train de donner toutes les cues au gouvernement sur comment continuer. Probablement qu'ils ont déjà des gens Ils le qui savent. savent déjà, je pense. Oui. Mais de diviser, de séparer, d'éloigner, d'empêcher les rassemblements. Comme là, présentement, on est en train de nous préparer au rassemblement de Noël. Donc là, on nous autorise 4 jours, pas plus que tant de personnes. Moi, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui arrive à la 12e? C'est elle qui est contaminée, je ne sais pas. En tout cas, moi, pour le moment, c'est encore un affront à mon intelligence, mais on fait ça, puis il y a une raison. Donc, l'être qui est solitaire va finir par abdiquer parce que la chose la plus importante pour l'être humain, comparativement à d'autres animaux, c'est de demeurer en lien. On est rien, les êtres humains, quand on n'a plus de lien. À moins qu'on ait développé une vie intérieure très, très solide et qu'il y ait une énorme colonne vertébrale intérieure, ce qui n'est pas le cas pour la majorité encore, malheureusement. Donc, la belle unité de départ se transforme tranquillement. Les idéologies vont prendre le pas sur le sens critique et sur l'individu. Donc là, on est devenu un type de collectivité. L'individu a perdu complètement sa place. L'individu ne vaut plus rien dans une secte. Donc, je ne sais pas si on fait des parallèles ici, là. Oui, on fait des parallèles, et puis c'est ce à quoi je pensais justement quand tu parlais de scission, effectivement, comme dans les sectes où on sépare les gens, comme on est en train de le faire maintenant un petit peu, hein, chers Tout à fait, auditeurs, tout à fait. c'est que on le fait au travail, on le fait. Ben, moi, je me rappelle dans les années 90-90, hein, comme on dit en Belgique, en Suisse, c'est vrai que j'ai déjà observé cet individualisme grandissant, où les gens de plus en plus étaient dans une bulle. Alors c'est vrai que j'ai toujours vécu dans une capitale, ce n'est pas le cas dans les villages, on est bien d'accord, en tout cas pas à cette époque-là, mais ça commençait déjà à Bruxelles, dans les grandes capitales, dans les grandes villes, où il y avait cette espèce d'individualisation, j'y arriverai, où tu as effectivement déjà des œillères sur ce qui se passe, quelqu'un qui est en train de mourir par terre, tu sais, un SDF, un clochard, enfin bon bref, voilà, on s'en fout en fait de sa condition de misère. En fait, on s'en fout. Les gens n'ont absolument plus aucune empathie. Il y a une déshumanisation qui est en train d'être faite. On est bien... C'est la transhuman... C'est le transhumanisme. On en a déjà parlé, bien entendu. Il y a une transformation de toutes les pensées. Je crois que tu vas y revenir plus ou moins. Mais au boulot, ça se fait déjà. Les équipes qui s'entendent déjà trop bien, on les sépare. Ce n'est pas normal qu'une équipe s'entende bien. Pourquoi? Parce que elle pourrait se retourner potentiellement contre le chef, contre le boss, contre le patron ou le chef d'unité ou peu importe. Et c'est l'art de la guerre. Quand Macron a dit en France, pour ne pas le citer, que le pays était en guerre, eh bien en fait c'est l'art de la guerre. Je vous invite vraiment à relire ce bouquin. Il en existe en version BD pour mieux comprendre les choses. L'art de la guerre est appliqué à tous les niveaux humains. Toutes les C'est strates, toutes les couches. ça. Tout à fait. Donc on est dans un labyrinthe de pensée unique dans laquelle il faut arriver à trouver la sortie. Bref, petite parenthèse. Et on va y venir, hein, que la sortie est à l'intérieur, finalement. Oui, Mais voilà. ça, c'est autre chose. Donc, si on revient à la secte, mais dès que tu ne penses pas comme le groupe, tu ne penses plus comme les chefs, l'idéologie va, on va t'éliminer, puis l'idéologie, là, ça ne peut pas survivre si on n'impose pas. Donc, déjà, on est dans une façon de faire qui demande un chef et qui va imposer. La question, c'est qui est-il? Au point de départ, c'est un individu comme un autre. Mais la soumission, lui donne son pouvoir. Mais en fait, quand je dis ça, je ne suis pas en train d'encourager les grosses révoltes qui font les guerres et c'est pas ça. Mais c'est intérieurement, j'ai laissé tomber ma colonne vertébrale, mon autorité intérieure. Intérieurement, je me plie parce que je veux la paix. Et on veut tous la paix fondamentalement. Il y a ça on en parlait tout à l'heure, hein, il y a ça qui est là, où est-ce que là, bientôt, on va nous imposer, par exemple, des vaccins, puis même ceux qui ont décidé de ne pas aller là, ils vont dire, mais pour avoir la paix. Et en même temps,
Il y en a d'autres qui vont dire, mais je vais être pourchassé. Si j'ai le vaccin, je vais être suivi à la trace. Si je ne l'ai pas, je vais être pourchassé d'une autre façon. Donc, est-ce que ce n'est pas égal? Donc là, on va dans des endroits intérieurs où on ne sait plus. Et là, ça va demander vraiment, vraiment de croire dans la divinité parce que le Dieu en nous, hein, parce qu'on sait qu'on est Dieu qui fait une expérience humaine, on sait que la vie qui nous inspire et qui nous respire, cette vie-là, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler la grâce, est agissante. Et si elle tient les mondes en place, ben, elle est aussi le cœur de tous les possibles. Donc, il y a quand même il y a une confiance, il y a une certitude qui doit s'installer. Mais si on revient à la secte, parce que c'est facile dans ce qui se présente de faire des parallèles. Donc, on a parlé d'idéologie qui peut pas survivre sans imposition. Donc, comment est-ce qu'on l'impose? La première chose qu'on voit, puis qui est très présent actuellement, c'est la répétition. On va passer en boucle les mêmes choses. Moi, je me souviens, dans la secte, c'était toujours les mêmes discours. Et la dernière fois que j'ai parlé à mon frère, il était en voyage, puis il m'a dit, ça fait 12 fois que je réécoute, 9 ou 12 fois, je me souviens plus, que je réécoute la même cassette ou le même CD. D'un speech, un sermon que le gourou avait fait. Et il me dit, c'est extraordinaire. Je lui ai dit, peut-être que c'est extraordinaire ce qu'il dit, mais on appelle quand même ça du lavage de cerveau. Mais lui, il a l'habitude dans la secte que c'est comme ça. Maintenant, ici, c'est les annonces, c'est la télé, c'est la radio. On va dans les commerces, la personne qui est à la porte ne s'est pas posée de questions si elle était pour ou contre ou comment qu'elle se positionnait. Elle continue à nous rabâcher, comme on dit en bon québécois, les oreilles. Même chose ici, oui. OK, on crée la propagande et on le fait de façon inoptique. Donc, comment est-ce que ça devient inoptique? C'est que on joue avec les peurs viscérales de l'être humain. Les peurs viscérales, c'est les peurs de perdre sa vie. OK, c'est la peur de mourir. On arrive au monde avec cette peur-là. C'est la peur, souvent, qu'on va ressentir en dessous de tout. C'est une peur viscérale. On a peur de tout perdre, hein? Puis on a déjà commencé à nous enlever des choses, donc on sent qu'on est vulnérable. On joue avec la peur de la mort, et la peur de la mort, ça déclenche l'amygdale. L'amygdale, c'est en haut du bulbe rachidien. C'est une structure très animale qui, elle, va décider si on doit se pousser, se sauver dans le bois parce qu'il y a un ours qui court après nous, ou si on va attaquer parce que la menace est plus petite. Ou si on va jouer aux morts parce qu'on peut ni se sauver ni attaquer. Donc, quand l'amygdale est en fonction d'un point de vue psychologique là, et physiologique, ça met automatiquement le préfrontal à off. Le préfrontal qui est capable de juger, d'analyser, de prendre la distance, de regarder le grand plan, de se donner du recul, ça met ça à off. Donc, toutes ces peurs de la mort, d'être exclu, de disparaître, d'être critiqué, de faire partie du groupe sont ultra alimentées. Le préfrontal, il est à off, mais en même temps, on va nous demander de comprendre, de se détendre parce qu'on prend soin de nous et tout ça. Donc là, on envoie des messages à différentes structures de notre organisme et ces structures-là ne peuvent pas fonctionner ensemble. C'est soit un, soit l'autre. Ce qui fait que l'être, comme il est stimulé à plusieurs endroits, il se met au neutre parce qu'il ne sait plus quoi faire. Donc, ça, c'est le discours inoptique qui crée l'incapacité de se mettre en action au bon moment. Parce que c'est comme, il y a des gens qui crient au feu ici, il y a des gens qui disent que tout est sécuritaire là, il y a des gens qui disent là de faire confiance, il y a mon instinct qui veut se pousser, et là, je tombe dans une espèce de toupie, d'une spirale, et la meilleure chose à faire, c'est de rester au centre. Au centre, comme on dit, de l'ouragan, de rester au cœur du cyclone. Parce que c'est comme ça qu'on crée des choses chez l'être humain, que quand on est en train d'en discuter, on trouve toute la rationalité. Mais quand on retourne nous faire stimuler dans nos peurs, on la perd. Et ça, c'est vrai autant pour un groupe que pour l'autre. Donc, il faut comprendre comment le discours inoptique, comment on procède pour créer ça. Parce qu'il y a des gens qui vont blâmer les autres en disant,
toi, tu es stupide ou t'es pas allumé ou tu comprends rien. Puis l'autre groupe va blâmer l'autre comme ça, mais les deux sont soumis à ça. Ils réagissent juste différemment. C'est ça. À un moment donné, il y a le cerveau qui bug et on est en sidération, on bouge plus et on est capable de plus rien faire et on est vraiment, on se sent limite, on culpa. En plus, il y a une culpabilisation qui arrive en plus parce que quand même, il y a notre âme quand même qui nous dit, ou en tout cas une partie de notre âme qui nous dit, mais enfin, pourquoi n'ai-je rien fait? Pourquoi est-ce que je ne bouge pas? Et malgré tout, on reste figé. Oui. C'est pas qu'on trouve ça normal, c'est qu'en fait, quitte à mourir, autant ne plus rien faire, quoi. Oui, c'est ça. C'est comme, tu sais, le décompte des morts, les cas des hospitalisations qui sont toujours à la une, tout ce qui stimule l'amygdale, puis en même temps, on nous demande de comprendre, qui stimule notre préfrontal, puis là, on va contrôler nos pensées en censurant les sources d'information. Puis là, on revient, il ne faut pas laisser les recrues penser par elles-mêmes. Les points de vue divergents sont attaqués avec véhémence, donc là, on n'est plus certain. On va décourager les questionnements. On va punir ceux qui gardent leur jugement critique, on va les discréditer. Je ne sais pas pour vous, chez vous, mais ici, on a des gens qui sont des chefs de l'opposition ou qu'on pourrait dire l'âme de ceux qui dénoncent le complot. OK? Mais là, après ça, on va les punir d'une façon, on va les discréditer. Présentement, ils sont en train de faire le front page des journaux. On parle de leur vie passée. C'est un peu ce que c'est un peu ce qu'on appelle nous dans l'alternatif, en tout cas sur les sentiers, on en parle et puis sur d'autres chaînes aussi, l'opposition contrôlée, qui fait que en fait on présente des acteurs, en tout cas pour moi ça reste que des acteurs, des personnes qui vont oser affronter le grand gourou, gouverneur, etc., pour dénoncer, comme tu viens de dire, tous ces complots, etc., toutes ces conspies. Et finalement, le gouvernement va démontrer que cette personne l'a discréditée, on va complètement la rabaisser au rang de rien, en fait, tout simplement pour montrer au peuple que quoi que vous fassiez, quelle que soit votre position, vous voyez, cette personne n'a pas réussi à vous sauver malgré ses beaux discours. Nous allons la descendre, nous allons l'appauvrir, en fait, hein. C'est généralement plusieurs techniques, ou peut-être la liquider, pourquoi pas, mais ça, c'est déjà trop, voilà, c'est déjà trop subtil. Non, non. Faisons Non, quelque ça se fait pas, ça s'est jamais fait, voyons donc. Oh, mais non, mais non, mais non, mais voyons, mais non. Enfin voilà. Mais donc voilà, c'est vraiment pour dire, il n'y a pas de sortie. De toute façon, vous êtes contraints à nous écouter jusqu'au bout. Rassurez-vous, nous avons la solution. Oui, toutes les sources d'information autres que celles fournies par la secte, c'est. Et les discours sont répétés comme des mantras par les représentants gouvernementaux, les journalistes qui, on ne sait plus qu'est-ce que c'est quoi un journaliste, on ne sait plus. En tout cas, C'est plus un enquêteur en tout cas. il y a quelqu'un hier qui m'a écrit quelque chose, ça vaudrait la peine que je le trouve. C'est un ancien ami, je dois dire un ancien ami, qui me disait à quel point il était déçu de voir le chemin que j'empruntais. Et il m'a, ouais, c'est ça. Et il me disait que, là, j'ai parlé un peu de tout ce qui se passait sur les médias et tout ça. Puis il m'a dit, attends, je vais juste aller chercher. Je trouve ça vraiment. Il dit, les journalistes sont allés à l'université pour apprendre à contrôler l'opinion publique. Il me dit, c'est leur seul but, comme les scientifiques. Là, j'ai fait comme, oh, ben, vois-tu, on n'avait pas vu les choses de la même façon déjà en partant. Mais peut-être que c'était moi qui étais naïve. Lui, il dit les choses telles quelles. Moi, j'étais peut-être naïve. Donc là, je me dis, OK, moi, j'ai cru qu'il y avait des gens qui faisaient vraiment bien leur boulot. Mais, qu'est-ce que tu veux? J'ai gardé mon cœur et ma tête d'enfant, faut croire. Et il faut, Myriam, il faut. En même temps, il n'a pas complètement tort. Donc, faut garder des portes ouvertes à des endroits. Ah, mais on évolue, on évolue. On On meurt et on renaît à chaque fois. On meurt et on renaît à chaque fois. Oui, c'est ça. On ose juste croire qu'on n'évolue pas. Mais bon, ça c'est. Donc, il ne faut jamais laisser les recrues penser à elles-mêmes. Il faut s'attaquer aux points de vue divergents. Il faut décourager surtout les questionnements en punissant ceux qui gardent leur jugement critique, les discréditant. On se concentre sur le même sujet. Et moi, j'ai trouvé ça très drôle parce qu'ici, on a été de nombreuses personnes à réclamer un débat public.
et on a refusé. Donc, le discours, là, c'est comme on répète ça comme un mantra par les représentants des gouvernements. On se concentre sur les mêmes sujets, on ne répond pas aux questions. On ne répond pas aux questions. Parce que les questions des adeptes sont toujours insignifiantes pour le gourou. Il va prendre un ton autoritaire. Puis même ici, c'est drôle parce qu'on a vu les dirigeants du Québec se faire photographier devant un blindé ou entouré de policiers. Donc là, on se dit, OK, là, on est rendu dans quelque chose de totalitaire. On se croirait dans des formes de persuasion soviétique, nazie. C'est la même chose que dans les sectes. Moi, je me souviens du gourou qui rentrait dans l'église puis qui faisait des crises noires, 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 puis qui descendait des gens comme mon père qui s'insurgeait puis qui disait non, 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 ça n'a pas de sens. Puis c'est ça. Donc, ceux qui restent collés sur le gourou à ce point-ci, c'est les vendus, c'est les corrompus, ceux à qui on va donner des privilèges, des tribunes. Puis ces gens-là, ben, sont formés à corrompre les autres en échange de bénéfices, de faveur, d'immunité. Ils vont être ceux qui vont faire la propagande. Ils vont sembler excessivement solides. Mais en fait, leur aplomb repose seulement sur les promesses qu'on leur fait. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie de dire à ceux qui sont des marionnettes, qui ont une main dans le... Hein, c'est ça? C'est ça? Que si on enlève les promesses, si on enlève les personnes qui les manipulent avec leurs mains, hein, sont probablement les plus vulnérables du groupe. Ils se sont positionnés dans une position excessivement vulnérable. C'est ça. Ils peuvent très très vite retomber de très haut si on leur, si on leur démontre que toutes ces promesses ne n'aboutiront à rien. Mais c'est que ça ne peut pas être parce que les gens qui les manipulent ou qui les utilisent, ces gens-là, ils n'ont déjà pas de parole en partant. Puis le jour où on n'aura plus besoin d'eux, comme ils en savent trop, ils vont quand même être éliminés. Donc, c'est les plus vulnérables, ceux qui sont proches de la tête. Toujours. Toujours, toujours. Donc, ça, c'est ça. Puis eux, ce sont... Oui. Et là, on peut penser à certains corps de métier. Je crois que les auditeurs auront compris de qui est-ce qu'on parle dans ce grand système dans lequel nous sommes, n'est-ce pas? Mais j'espère qu'un jour, ils ouvriront les yeux. Et il y en a qui commencent à ouvrir les yeux. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, si ça peut Mais faire boule de neige. en même temps, les gens qui changent de point de vue, on va dire que c'est des girouettes. On va les discréditer en disant qu'ils n'ont pas une ligne de pensée, qui sont volatiles. Et c'est pourquoi les gens qui se sont trompés ou qui veulent rectifier des choses, en général, ne le feront pas parce qu'ils vivent ça comme une humiliation. Ils vont sentir qu'on va les traiter comme des instables, on va les étiqueter, on va les catégoriser, on va dire, ah, oh, c'est bien cette personne-là. Donc, ça devient, s'il n'y a pas de fondement intérieur solide, on revient au lien, hein? On revient au besoin d'appartenance. Et on a peur de l'exclusion sociale et beaucoup de gens vont se taire juste pour ça. Parce que chez l'être humain, le besoin de faire partie d'un clan, d'un groupe est extrêmement important et on ne peut pas enlever l'importance de ça. Donc, qu'est-ce qui arrive une fois qu'on est désuni, qu'on est divisé? Bien là, on est face à des êtres complètement déshumanisés, comme tu parlais en début de rencontre. Et ces êtres déshumanisés-là ne peuvent plus entendre le bon sens parce que qu'est-ce qui fait partie des sens? C'est notre nature originelle, c'est notre humanité. Donc, c'est comme si ces êtres-là sont dénudés, vidés de leur propre pensée, de leur propre... C'est là où on est prêt à dire ils n'ont plus d'âme. Leur propre nature, on va dire, oui. Leur nature véritable, c'est comme s'ils ont vendu l'espace à l'intérieur d'eux, où d'où naît l'intention, d'où naît le sentiment de vérité, même s'il est mouvant à chaque instant. Notre vérité est toujours, elle se présente fraîche et neuve à chaque instant, donc elle bouge. C'est comme si l'espace de tous les possibles qui traverse cet organisme-là et qui se montre à une couleur très spécifique se perd. Et moi, la façon que moi je l'ai vécu dans la secte, c'est comme si on avait pillé mon sanctuaire. Je ne savais plus ce que je voulais,
Je ne savais plus ce que j'aimais, à un point tel qu'on me demandait qu'est-ce que tu veux manger, puis je n'étais pas capable de répondre. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Je n'étais pas capable de répondre. Il n'y avait plus d'envie. Il n'y avait plus de désir propre. Il n'y avait plus de pensée propre. Il n'y avait plus. C'est comme si il restait juste l'habit d'hiver, puis il n'y avait personne dedans. Il n'y a plus cette petite étincelle, cette petite lueur de vie, cette flamme. Voilà, on dit toujours Mais c'est une la flamme. flamme, elle meurt jamais complètement. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Hein? Il reste toujours une petite braise de vie et c'est propre à la vie. C'est ce qui est propre à la vie. Et dans ce qu'on vit présentement, c'est sur cet espace-là, aussi minuscule soit-elle, que j'ai envie de dire sur laquelle on doit mettre toute notre confiance en ce moment. Parce que présentement, il y a des faux Christs, il y a des faux prophètes qui vont séduire les élus eux-mêmes. Il y a des gens qu'on a cru bon, qu'après ça, on va voir que ce n'était pas le cas. D'ailleurs, j'ai fait le tarot annuel cette année et c'est dans les cartes que cette année, on va être confronté à ce type de choses-là. Et on doit être excessivement prudent et entrer dans l'espace où la petite flamme qui est arrivée avec le souffle de vie est. Et on va devoir la faire grossir, cette petite flamme-là, mais ça, c'est à l'intérieur, dans l'espace où personne ni rien ne peut nous atteindre. Mais ça, c'est. Et moi, je dois dire que pour mon expérience dans la secte, cette petite flamme-là, je l'ai entretenue. Et présentement, je la vois vaciller par moments, parce que moi aussi, des fois, je fais, oh, je penchais là, maintenant, je penche là, et là, je ne sais plus. Mais aujourd'hui, la différence d'avec quand j'étais enfant, c'est il y a une part de moi au niveau de ma pensée, au niveau de mon corps, qui est capable de se rallier plus rapidement. Alors que quand j'étais enfant, ça a créé des divisions tellement grandes entre mon corps et entre ma pensée que j'ai souffert le calvaire et avant que tout ça soit assez mature pour revenir se prendre une place, ça a été long. Ça a été long. Donc, si on revient à la secte, parce que je veux rester sur le fil du sujet, pourquoi tu m'as dit? Quand on parle des êtres déshumanisés qui n'ont plus de bon sens, qui sont vidés d'eux-mêmes, on a même réussi à détruire leur conditionnement, leur réactivité naturelle, parce qu'on arrive avec une réactivité comme enfant qui est naturelle. Et quand on a atteint cet espace-là chez un être humain, la cruauté mentale dont ces êtres-là peuvent faire preuve, c'est assez hallucinant. C'est là où on va voir des membres d'une même famille se dénoncer, se pointer du doigt. Certains membres vont être contents que l'autre qu'ils aimaient, hein, soit puni pour, OK? Et ça, c'est possible par la division qu'on a créée au départ. On n'a pas évolué ensemble. Et quand on se retrouve, on est déjà tellement polarisé qu'on n'est plus capable de se parler simplement. On n'est plus capable d'avoir des échanges. Et là, au travers de ça, on continue à stimuler les peurs. Toutes les sectes vont parler de la fin du monde. Ils parleront pas la fin d'un monde, ils vont parler la fin du monde. Le monde sera plus jamais pareil sans eux. Ils vont stimuler la peur de mourir, la peur de tout perdre. Peur d'être rejeté par la masse, de la peur, de la peur, de la peur. Et quand on va avoir été assez loin dans la peur de mourir et de la différence, on va même suggérer la mort parce qu'il n'y a pas d'autres échappatoires. Et on est proche de ça présentement comme société. De plus en plus de gens voient ce qui s'en vient, il y a beaucoup de suicides, les gens ne savent plus s'il y a un espoir, ils ne trouvent pas la voie du milieu. Et c'est là qu'on voit que c'est une guerre spirituelle entre le bien et le mal, entre le positif et le négatif. Et moi, je réalise tout doucement, tranquillement, parce que j'ai été polarisée moi-même dans le bien, que c'est ni là ni là qui est la vérité, est au milieu, dans cet espace de rien. Donc, ça, je le réalise, mais je ne peux pas dire que c'est complètement intégré. Donc, je le dis tout en marchant la route. Tout à fait. Et puis bon, c'est quelque chose qui est très. C'est paradoxal ce que je vais dire. C'est à la fois très intime aussi, cet éveil, cette évolution,
Parce qu'on parle souvent d'éveil, il y a aussi quelque chose parfois un peu de péjoratif, mais encore une fois, ça c'est pour culpabiliser les gens qui sont justement un tout petit peu plus réveillés que d'autres. Ce n'est absolument pas péjoratif. On n'est pas juste en train de dire qu'il y a des moutons et il y a des non, et des non-moutons. On est simplement en train de dire que oui, on est tous passés par là. J'ai été dans ce système, j'ai été cette espèce d'ignorant pendant très très longtemps, et tout d'un coup. Voilà, il y a eu effectivement des informations qui ont fait que j'ai commencé à ressortir un petit peu finalement tout ce que j'avais enfoui au fond de moi, tout ce que nous avons tous enfoui au fond de nous. Et d'ailleurs, je crois que s'il y a un proverbe, je ne sais plus lequel, comment ça fonctionne, mais c'est, disons, va à l'intérieur de toi-même pour un peu mieux connaître le monde. Voilà, c'est, je le dis un petit peu comme ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais c'est tout à fait ça, c'est vraiment ça, il faut vraiment se reconnecter à cette source. Justement originelle, quelle qu'elle soit, mais en tout cas, il y a une source, ça c'est certain, et il y a plusieurs réponses. Il faut juste se poser les questions et ne pas avoir peur de se poser les questions. C'est primordial. Les enfants posent beaucoup de questions aux parents. Tu sais, on entend toujours le petit dire à, ah, à quoi ça sert ça papa ou à quoi ça sert sa maman, etc. Et pourquoi tu vas faire des courses et pourquoi si et pour... Mais on s'en fout. Les questions, c'est primordial. C'est pour une communication. Et s'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de Ça. questionnement et il n'y a pas d'évolution possible. Voilà. Puis tu vois, ce matin, j'étais dans cette ambivalence intérieure-là et j'ai parlé à un ami qui est très proche. Puis il m'a écrit ceci. Il dit, quand tu reconnais une erreur, tu pointes du doigt vers un obstacle supplémentaire dans le prochain détour sur la route. On en fait tout un plat comme société. Comment il dit ça? On fait tout un plat alors que c'est la recherche même de la droiture qui nous pousse à se repositionner constamment. C'est la qualité de la droiture elle-même de toujours se ramener dans la rectitude de ce qui se présente dans notre nouvelle. T'sais, on est continuellement informé. Donc, il faut arrêter d'en faire une humiliation et vraiment juste avoir le courage. De transmettre qu'est-ce qui vient, puis les gens, chacun, doivent se faire une tête qui est à eux. Ils n'ont pas à prendre d'emblée. Et c'est très sectaire de vouloir que les autres prennent d'emblée. Donc, moi, je me mets dans cet état-là de partager mes états d'âme, puis mes nouvelles prises de conscience pour que les gens arrivent à se faire une idée. Et c'est exactement ce qu'on prône entre guillemets sur les sentiers du réel. C'est C'est ça. faites-vous confiance à vous-même, n'écoutez personne, et mais prenez l'information comme elle vous vient. Et si ça résonne en vous, bah, tant mieux. Si ça résonne pas, bah, il y a d'autres vidéos, il y a d'autres sentiers, voilà, à prendre. Voilà. C'est ça, exactement. Puis je ne sais pas si c'était pas le Bouddha qui disait ne croyez personne, mais Oui, c'est tout le ça. monde. Oui. Ne me croyez pas, ne croyez que vous-même, quelque chose. C'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, on parlait tout à l'heure de la punition que les sectes mettent en place pour ceux qui pensent autrement, mais on voit aussi qu'il nous reste des vestiges de l'éducation judéo-chrétienne où est-ce qu'on doit se punir si on ne pense pas, puis si notre pensée change, puis si elle valse. On sent puis, de toute façon, dans les sectes, l'élément central de tout ce qui tient ça en place, hein, la structure, c'est la punition. Donc, on va voir du confinement. Donc, je ne sais pas s'il y a des mots qui sont familiers à certains. De l'isolement, s'il n'est pas toujours physique, elle va être certainement psychologique, comme on est en train de parler. Si on ne suit pas les consignes, on va être isolés les uns des autres, comme on a dit. On va nous menacer, nous châtier, nous culpabiliser. Et la culpabilité, ce qu'elle a de très particulier, c'est que quand quelqu'un nous a culpabilisés, intérieurement, on est porté à reprendre ce discours-là parce que ça résonne des choses au niveau de l'enfant qu'on a été. Parce qu'on élève les enfants par culpabilisation aujourd'hui. Bien, on ne les élève pas du tout, là, mais on les donne sous terreur parce qu'il n'y a rien d'élevant là. On va les ostraciser, on va les menacer. Puis présentement, ici, je ne sais pas pour vous autres, mais c'est des amendes ou de l'enfermement. Donc, il y a la rigidité des règles, l'absurdité du remède, là, la délation, l'ostracisation, on va mettre au ban, on va bannir ceux qui ne pensent pas comme nous. Donc, ça fait toute partie de la punition. Et surtout, on va infantiliser les gens. Et l'infantilisation, c'est directement lié avec n'utilise pas ton préfrontal, n'utilise pas ton sens critique ou ton troisième œil. Le troisième œil, c'est le gros jugement, mais pas juger, mettre des étiquettes. Mais juger au niveau de la balance intérieure, de la justesse, c'est ça. Donc, on est très infantilisé pour mettre notre jugement sur pause. On met des croix sur le sol. On dit, tu mets tes deux pieds sur la petite croix. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous.
On dit comment mettre ton masque. Moi, l'autre jour, je me suis grattée, puis je me suis fait ramasser dans un magasin parce que pendant que je me grattais, mon masque était croche. On va dire de se laver les mains, puis on va nous montrer comment, comme si on avait 3 ans. Mais pendant qu'on nous montre à se laver les mains, ben on nous lave le cerveau, donc les deux vont ensemble. On va ridiculiser, mais il faut bien rire un peu, n'est-ce Oui, pas? oh oui, il faut. C'est comme prends ton cerveau, puis lave-les, puis frotte-les comme ci, puis frotte-le comme ça, puis là, le cerveau, il est complètement neutre et vierge, et là, je peux aller mettre tout ce qui est très, très, très aseptisé là-dedans. J'aime bien en rire. Bon, puis là, on trouve des mots qui n'ont aucun rapport. On va dire qu'eux autres sont des complotistes alors qu'eux autres ont fait le complot. Hein? On va associer à des mots péjoratifs tous les discours qui détonnent. Il n'y a plus de point de vue dissident. On va les appeler, autrefois, on les appelait les hérétiques. On les brûlait, on les pendait. On n'est pas loin de ça, hein? On n'est pas loin du Moyen-Âge. Ouais, puis moi, j'ai le souvenir d'avoir été pendue, donc je suis très réfractaire à ça, évidemment. Donc, je suis portée à aller dans l'autre polarité. Donc, on va se faire appeler les rebelles, les dissidents, les réfractaires. Moi, j'aurais envie de dire, ce serait peut-être les souverains qui seraient entre les deux. Mais bon. Donc, les tentatives d'influence sont coupées. On est en réprobation, répression, censure, ostracisation. Et voilà qu'il faut être en accord avec les points de vue officiels, hein? N'est-ce pas? Et j'ai retrouvé un document d'ailleurs sur la peste qui a sévi en Belgique au XVIIe siècle. Ouais. Visiblement, il y avait plus ou moins les mêmes règles. Il n'y avait pas les masques, bien sûr, mais il y avait des distanciations de 2 mètres. On a malheureusement massacré des tas d'animaux. Parce que ça aussi, ça en fait partie, n'est-ce pas? On profite de tout, hein. Le coco, il a vraiment le pignon sur rue. C'est lui qui décide de tout, absolument, de vie ou de mort en ce moment. Et de vie ou de mort économique, de vie ou de mort psychique, de Psychique. vie ou de mort humaine. Et ça, c'est la pire qu'on puisse vivre, parce que l'économie, mon Dieu, il n'y a quand même pas que ça dans la vie. Mais là, l'humain, c'est une catastrophe. Il faut que les gens vraiment fassent, et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo ensemble avec Myriam, il faut que les gens fassent cette connexion qui est si rapide, qui peut être vraiment. Elle est mince, la différence. On est juste là, on en est rendu là, comme on dit au Canada. C'est vrai que c'est vraiment ça, la secte, on y est. Il faut que les gens se disent, mais mon Dieu, la vie, c'est pas ça, en fait, c'est pas ça la vie. Mais même Jésus disait que le chemin il était étroit, qu'il fallait passer par le chat d'une aiguille. C'était des exemples, mais c'est que l'endroit entre les deux, c'est mince, c'est ténu. Et c'est là aussi que dans les sectes, on va aller même à te convaincre que tu n'es pas sain d'esprit quand tu es en désaccord. Donc, quand on s'attaque à ton esprit, à cet espace qui sous-pèse la justesse, comme tu disais tout à l'heure, mais on n'est pas loin de s'attaquer à l'espace, le saint des saints que j'appelle le sacré dans chaque être. Et pour moi, ce que j'ai retenu le plus de mon expérience de captivité pendant 20 ans dans une secte, c'est que on s'infiltre dans ta tête, on s'infiltre dans tes peurs, dans tes émotions, on s'infiltre dans tes croyances, dans tes référents internes, on s'infiltre partout. Jusqu'à temps qu'on s'infiltre dans l'espace la plus sacrée au cœur de l'être, d'où la vie part. Et là, on parle d'intention. On va faire des jugements d'intention, alors que l'intention, c'est la chose la plus sacrée qu'on porte parce qu'elle part d'un mouvement profond qui est préalable à la pensée, qui est l'espace qui nous amène en élan ou en retrait spontanément, qui est l'espace qui nous ramène toujours à se réaligner, à tenter de faire le mieux de ce qu'on sait. Et moi, on a saboté cet espace que moi, j'appelais mon intégrité. Je me souviens quand la directrice m'avait fait venir dans son bureau, j'étais une jeune adolescente, puis elle m'a dit, tu te crois sincère et tu ne l'es pas. Et si tout le monde portait ta sincérité, ça se pourrait pas. Et là, quand je suis revenue toute seule avec moi, j'étais encore à l'âge où j'étais pas, ma personnalité n'était pas assise. Il n'y avait pas cette capacité de rejeter hors de moi encore, comme quand on est adulte. Et je me souviens qu'elle m'a complètement déstructurée à un point tel
que j'allais me coucher la nuit et je me pinçais pour savoir si j'étais réellement vivante. Donc, on va loin dans la déstructuration morale de quelqu'un et on peut complètement l'amener à une aliénation totale. Et moi, je suis passée à un cheveu d'être la personne qui est assise sur une chaise berceuse et qui passe sa vie à regarder le mur. J'ai vécu, c'était quoi? Parce qu'il n'y avait plus rien, rien intérieurement sur quoi m'appuyer. Donc aujourd'hui, puis j'en parle, puis ça me fait, il y a quand même encore un frisson intérieur quand je reparle de ça parce que le souvenir des catacombes, de nuits noires de l'âme, de plus de repères intérieurs, de même plus de filons lumineux sur quoi s'accrocher intérieurement, j'ai connu ça. Et quand j'en parle, ça me fait frissonner en dedans, ça goûte pas bon, mais en même temps, je me sens obligée de dire aux gens jusqu'où les choses peuvent aller. Et aujourd'hui, avec l'expérience de, je suis revenue de ça, mais je dédie ma vie à enseigner comment renforcer cet espace-là pour que ça puisse plus arriver. Et ceux qui n'ont pas ça, ceux qui n'ont pas renforcé leur monde intérieur, sont extrêmement fragiles à la déstructuration complète de tout ce qu'ils sont. C'est ça. Puis ça, c'est très insidieux, hein, je le dis. Ça commence par la réprobation, la culpabilisation, les attaques personnelles, du rejet. Ça continue dans les familles qui sont brisées. Là, présentement, on nous traite de complotistes. On est inculte. J'ai des amis qui ont parlé, qui m'ont dit des ignares, des égoïstes, même des dangers publics. Ça va loin. Ouais, bah, comme quoi les mêmes petits bons soldats se retrouvent en dehors justement de cette secte où tu as vécu pendant une vingtaine d'années. En tout cas, tu es l'exemple même de. Moi, j'ai envie de dire, tu es un des exemples parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui s'en sont sorties aussi. Mais en tout cas, je te remercie vraiment pour être venu partager ça, Myriam, parce que tu es l'un des exemples humaines. Qui a pu, disons, transcender, on va dire, qui a pu faire ce changement, ce déclic en toi, et qui a pu justement s'en sortir, qui a pu t'en sortir, on va dire, plutôt en français, malheureusement pour en retrouver une autre, on le sait bien, pour Oui, retrouver une autre grande secte, mais voilà, comme quoi l'espoir. On dit l'espoir fait vivre, mais là, il faut pas attendre que ça arrive, en fait, c'est ça que je veux dire, il faut vraiment pas que attendre que ça arrive. On a toujours l'impression que ça fait pas partie de notre monde, c'est pas possible, ça n'arrivera jamais à moi. Moi, aller dans une secte, non, tu rigoles ou quoi, enfin, voyons, je suis quelqu'un de bien, mais oui, mais justement, ça arrive à n'importe qui, ça arrive à n'importe qui, la persuasion est tellement grande, tellement forte, que ça arrive au plus fort d'entre vous, et je vous demande vraiment de ne pas attendre ça pour déjà conscientiser qu'on n'a pas besoin de ça et qu'on a juste besoin d'amour. Oui, parce que de sortir d'une secte, ce n'est pas un lieu qu'on atteint définitivement. Je veux expliquer, parce que c'est vraiment important. C'est quelque chose qu'on remet sur le métier jour après jour. C'est une vigilance. Oui, c'est certain qu'éventuellement, il y a un encodage qui se fait, mais la création de ces groupes-là sert des objectifs puis à donne un sentiment d'être des gens bien par l'appartenance qu'on fait au groupe. Et de quitter ce groupe d'appartenance-là, c'est très, très vertigineux parce que c'est rare qu'on va faire l'unanimité et on va continuer à nous dire qu'on est mauvais, qu'on est malade mental, qu'on est inculte. Puis là, on va être pointé du doigt. Moi, dans la secte, je suis partie. J'ai écrit et maintenant, je fais partie pour la secte des exemples de Judas, d'apostat. Et présentement, je suis dans la société et je remets des choses en question et certains me traitent de ça. Donc, d'être capable d'être traité d'eux, puis de pas se déstructurer complètement parce que cette technique de manipulation, là, elle exploite à merveille notre besoin fondamental et tout le monde là, d'appartenance. C'est lié à notre instinct de survie. C'est aussi ce qui fait qu'on peut être en conformité puis être en lien,
Donc, ça touche beaucoup, beaucoup d'aspects qui sont viscérales. Donc, souvent, on se conforme par besoin d'appartenance, moins, plus que par conviction, je vais dire, et on ne se rend même pas compte qu'on s'enlise dans la suspension de notre jugement critique. Et c'est un cercle qui va en s'accentuant. On obéit aveuglément. Et là, cet aveuglement-là, c'est toute une débâcle, c'est des pièges. Et comme j'ai envie de terminer avec cette phrase, de boire le Kool-Aid, hein? C'est le suicide collectif. Keep calm and drink the Kool-Aid. J'ai lu ça, puis je me suis dit, c'est trop bon, c'est exactement ce que c'est. Keep calm and drink the Kool-Aid. mon Dieu. Enfin bon, voilà. C'est vrai que Myriam, en tout cas, grand merci pour ce partage et merci aussi à ma compagne. Voilà, merci à ma femme parce que c'est grâce à elle que j'ai pris connaissance de ton existence, de toutes tes vidéos qu'on peut retrouver également sur YouTube. Hein. Je mettrai bien sûr le lien. Et donc, c'est Porteur de Flambeau. Tu as également un site porteurdeflambeau.com. Donc, je disais au début de cette émission que tu avais donc écrit trois bouquins, dont celui qu'on vient un petit peu de parler, ou en tout cas de parcourir, Otage du silence. Je mettrai le lien pour les personnes qui désirent se le procurer. Il y a 500 pages, donc il y a de quoi faire. Durant toutes vos semaines de confinement, hein, messieurs, dames, qu'est-ce que vous êtes gâtés? Merci, monsieur le gouverneur. Merci, on va pouvoir s'éveiller à toutes ces choses. Et donc, tu as également aussi écrit, donc je vais essayer de lire parce que j'ai mes yeux de 45 ans de vieux bonhomme, c'est Affranchise. Ma motonomie, mes cheveux sont gris, hein, ils sont là. Mais c'est la sagesse, paraît-il. S'accompagner soi-même en pleine conscience, de l'émotion à l'éveil. Et ça, c'est vrai que l'émotion, c'est vrai que c'est une arme, enfin, en tout cas, dont justement les gourous, en tout cas, tous ces mêmes papas gouverneurs peuvent se servir pour nous asservir, etc. Donc, ne nous déshumanisons pas. On peut toujours avoir peur, on peut toujours avoir de l'amour, on peut toujours pleurer, n'est-ce pas, messieurs? Il n'y a pas de problème avec ça. Mais gardons aussi à l'esprit que l'émotionnel est une arme qui peut se retourner aussi contre nous. Donc voilà, encore une fois, cet équilibre, comme tu l'as très très bien dit, on peut le retrouver en soi. D'ailleurs, je conseille et ou bien des méditations, ou bien pourquoi pas aller en forêt, et pourquoi pas, comme je l'ai déjà fait, même dans l'obscurité, hein, tant qu'il y a pas des, tant qu'il y a, quand, tant que c'est pas dangereux pour vous. Et c'est vrai que cette reconnexion à la nature, cette espèce d'introspection, eh bien, on peut y trouver des réponses qui vont peut-être, voilà, qui vont nous correspondre à nous, avec notre vécu. Mais justement, voilà, on peut aller puiser tout ça dans ce grand livre qui est à l'intérieur de nous. Mais aussi, on peut aller puiser dans les bouquins de Myriam. Donc, je le disais, je mettrai tout ça en lien, bien entendu. Et donc, sur son site porteurdeflambeau.com. Et donc, vraiment, m'écoute, j'en suis ému. Myriam, merci. Merci. Puis les gens qui vont aller voir mes vidéos, ça se peut que par moment ils me voient polarisée, mais j'ai toujours dit aux gens que je me montrais telle que j'étais. Et ça bouge, et j'essaie de me ramener et de partager quand je me dépolarise. Oui. Magnifique. En tout cas, grand, grand, grand merci et vraiment, j'espère que ton vécu soit un des exemples, en tout cas, qui puisse en tout cas faire sortir de ce statut d'esclave, en tout cas, de cette prison mentale dans laquelle peut-être vous êtes, mes chers auditeurs. Je l'espère pas, hein, cela dit. Mais bon, voilà, je sais que c'est très difficile tout ça. Mais on peut s'en sortir, la preuve vivante, Myriam Kaiser. Merci beaucoup. Merci du fond. Bisous à tous les Québécois aussi. Et voilà, donc nous, on se retrouve. Et tu viens quand tu veux sur les sentiers du réel. Ce sera avec grand plaisir. Et j'espère pouvoir se faire un petit hug et une petite accolade en Belgique. Un jour, voilà, parce qu'en plus on s'est raté à la foire du livre, hein, cette année. Bon, bref, mais écoute, en tout cas, à tout bientôt. À bientôt. Grand, grand merci, au revoir, Au revoir. mes chers auditeurs, mes chers éveillés, comme je vais vous appeler dorénavant. Bah oui, hein, une secte, ça se fait pas du jour au lendemain. Gros bisous à tous, n'oubliez pas, donc semaine prochaine, direct live, on verra bien, émission au jour le jour, hein, en ce moment, comme vous le savez. Abonnez-vous, commentez, likez, faites ce que vous voulez surtout. Et prenez soin de vous. Gros bisous. Tchou tchou.